Bonjour les gens. Salut. Toujours des intros de qualité ici. Des intros qui dépassent toute la compétitivité, quoi. C'est ça qui dépasse l'entendement, je dirais. Le YouTube game en sueur, en fait. Bon, on va faire des trucs à la mairie. Bonjour. Oui, bon, j'ai pas toute la journée non plus. Qu'est-ce que vous voulez? Bah, pas aveugle. Attends. Juste son extrêmement bas. Tant mieux pour vous. Si vous voulez consulter nos archives, faites la queue comme tout le monde. Elle est aveugle. Y a pas de queue. Ouais, tu vois. Y a pas de queue et du coup elle pense qu'il y a une queue, mais elle aveugle. Mais le son est à fond. Elle est juste aveugle en fait. Faire la queue. Je suis le seul ici. Je suis en première position, alors je peux donc aller vérifier. Ah, je sais qu'elle est aveugle. Juste le rappeler. Ne soyez pas impertinent, jeune homme. La prochaine fois, il y aura peut-être une file et vous pourrez pas y couper. Ouais, c'est ça, ouais. Au revoir. Au revoir. On voit le son. Pas d'interview, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé, mais le son de jeu est extrêmement bas. Bah, c'est parce que rappelle-toi, genre au début, il y a toujours cette animation qui pète les oreilles. Ouais, mais. Bon, c'est toujours le paye ta mairie, quoi. Il y a des monstres en fait. Bah, c'est ce que je me suis dit. C'est peut-être mieux quand il n'y a pas de son. Ça protège pas des monstres en fait. Bah, non, je pense pas. En fait, ok. Des fausses portes. Ah, oui, donc mettons, on se casse même plus la tête, quoi. Plus besoin de faire des vraies portes en fait. La mairie la plus vide de la planète, genre de l'extérieur c'est géant. Et ici, bah voilà, t'as accès à rien. Yes. Moi j'ai envie de te dire ça. Bon, vie, hein. Alors. C'est ça. Non, ça c'est des photos. C'est ici. Ça. Non. Prochaine étape de Bethany. Bah si c'était ça. Il y avait le petit. Ouais, il y a le petit livre, tu vois. Bethany s'est échappé de l'asile. Ah oui, elle semblait vouloir se diriger vers une usine. Sujet, rentable. Entreprise, période. Elle... Ah oui, c'était il y a 100 ans, elle avait dit, non? Depuis plus d'un siècle. Bah ça doit être ça. Ouais. Et registre. Et c'est où? Ah, Salvation Harbor. Ah, fou. Randall Glassworks. Fondé en 1884. Gotter Randall. Ok. Attends, faut retenir Road. Encore. C'est la Skipper Road. Encore. Mais non, rappelle-toi, ça se met sur la map. Ah ouais? Ouais. Bah non. Bah si, attends, par contre c'est quoi toutes ces boussoles? Ah ouais, non, c'est le point de vue. Mais ah, si, genre là, si tu t'essayes de poisser un point de... Oui, non, oui, non, mais je veux dire, oui, non, mais ok, oui, ça je le sais, Maxime. Je pensais que t'avais dit, genre, on peut le peu, genre le point, et genre, il était là, en mode, hey, faut aller là. Sur Skipper Road, c'est où Skipper Road? C'est où déjà? À Salvation Harbor. Putain, c'est ici, il va falloir revenir, quoi. Alors. Et là. Sur Skipper Road. Ah non, c'est sur Skipper Road, entre EL Saint Street, entre EL Saint Street et Camp Shaw. On l'avait trouvé, je crois, la dernière fois. Ça me dit rien. Bah, ouais, non. Non, moi, ça me dit. Bah, je vois pas Skipper Road. Ah, ici. Skipper Road, là-bas. Et c'est entre quoi et quoi? Entre Saint. L Saint. L Street et Calm Shore Street. Ouais. Ah, Calm Shore Street, je la vois. C'est la street qui est tout en haut. Ouais, c'est ici, là. Et L Street, et bah, c'est ici, du coup. Deux, c'est entre les deux rues. C'est ici? C'est, bah, entre c'est les deux comme la dernière fois. C'est sur tout Skipper Road. Ah, oui. C'est le long de Skipper Road, mais entre les deux. Ouais, voilà, c'est ici quelque part, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, bah, falloir. Yes. Encore faire une analyse de toutes les maisons de la rue. Surtout marcher, en fait. Yes. À mon avis, là, ça sera écrit en grand, par contre, genre Randall Glassworks. J'espère. Bon, je crois qu'on va. Ah, bah non, il y a un point de TP. Ouais, mais il faut quand même marcher, quoi. On pourrait voir nos amis les le KKK, on ira plus tard. On sait où ils sont, on les a marqués. Une croix de faille. Roberto. Je dis parce que je crois à chaque épisode j'essaie de le lire, ça m'éclate. Genre, hey, non, c'est toujours la même chose. Allez, on y va. Et surtout que là, comme on est en train de faire les 4 secondaires. Ouais, bah. Ah, mais après, attends, on va. Non, là, c'est l'histoire ou la quête secondaire? Non, c'est la quête secondaire. C'est toujours la quête du miroir. Ah ouais. Ah ouais, grave long, vraiment, hein. Je crois qu'on est tombé sur l'idée. Non, pour une quête secondaire. Enfin. Bah, elle s'est composée. Elle est en deux parties. Hein. Là, on a fini la première partie. Et ouais, là, non, on est dans dire, la deuxième. C'est même genre important pour une quête secondaire. Bah, genre, je trouve. Si t'as pas fait ça. Enfin, moi, je trouve ça important. Bah, tu rates une bonne partie de l'histoire. L'histoire de Robert et tout. Oh, mais c'est secondaire, tu vois. Ouais. Ouais, non, je suis d'accord. Mais... Je suis d'accord. Issu de. Non, c'est raciste. On a dit. Ah, c'est. Les mecs, tu sais, qui veulent. Qui veulent faire genre en gros qui veulent faire des histoires secondaires genre qui s'impliquent trop dedans. Là, au lieu de faire des quêtes du genre hey, allez
Allez donner ça à machin et fait non, mon histoire secondaire ça va décrire toute la vie d'un personnage profondément, etc. Ah, ouais, genre. J'ai peur, il y a des bruits dans l'eau. C'est comme ça, je fuis. Non. Alors, eux ils traînent en gang, les mecs. Où sommes-nous? Ah bah ok, je suis vraiment venu dans la pire rue. Quoi. Bah non, dans la meilleure rue. Oh, je pense pas, non. Non, je pense pas, non. Qu'est-ce que tu fais? Range ton couteau, range ton couteau. Non mais range ton couteau. Et oh, range ton couteau, je t'ai dit. J'aurais... Non mais... Putain, en plus, il avait peur de rien, quoi. Tu le pointes du... Tu le pointes... On dirait pas qu'il est en train de le foncer, genre... Mais arrêtez. Attends. De vous battre, mais c'est bon. Bah. Ok, j'avoue, toi, tu m'as fait peur, par contre, je pars. C'est distraction de l'extrême, il a fait... Hey. Ah, t'es maudit. Ah, t'es maudit. Ah, ça change, c'est un nouveau. Attends. Dialogue, ça. Attention, il est maudit. Ok. Police. First head. C'est un vrai truc, ça. Y'a un mec mort ici? Ah non. Y'a des monstres? Munition de calibre 12, non mais mec, on a même pas de calibre 12! C'est quoi, attends mec, y'a plein de photos derrière? Non, non, mais on va repartir, je pense que c'est un truc de mission, on reviendra. Ouais, non mais. Non, reviens en fait. Non, non. Genre j'aimais bien, y'avait des trucs. Non, 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 mais. J'ai peur. Or, tiens ici, tu sais quoi, on va mettre un point. Sur la carte. Un point d'exploration. C'est coffre, c'est le point. Mets le point avec un coffre. Trésor! On sait qu'il y a des trésors dans le coin. En Glassworks. Ouais. C'est où ce truc là? On va check à tout à droite, ça va être ici. Ah ouais? Parce que moi je suis. Moi j'ai pas envie de. Grenade? Ah bah c'est le bon endroit, mais. Ah ouais? Quoi? Allez! Bah tiens, il y a une petite merde. Ah, oh, tu l'as explosé, c'était pas en plein de petites merdes? Waouh, oh, c'est dégueulasse! Il se groupe. Je suis d'accord avec toi là. C'est horrible. Mais mec, tu les as. J'ai pas, une gâchette! Attends, tu les as... Par contre, là qu'on en parle, tu les as juste éclatés en fait. D'habitude, tu rates toujours 10 000 balles. Ah, genre là, tu les as juste tous éclatés en fait. Ils sont tous morts. Ok. Par contre, comment ils traînaient tous ensemble là, en gros. J'avoue. En gros gang, ouais, c'est exactement ça. Ils ont emporté le cadavre de leur pote. Attends, il semble avoir servi à fabriquer des cadres. Ok. Ouais. Aussi une arbalète ou une guitare, je sais pas trop. Une guitare. Soit une arbalète, soit une guitare. Oh bah tiens. Mais... Et encore des cadres. Ah calmez-vous. C'est un outil de mesure. Bah je pense. Bon bah. Pour lire le verre. En fait, j'ai pas paniqué, genre. Je m'y connais pas trop en miroirie. Par contre, on l'a éclaté là l'autre. On lui a balancé. J'avoue que la greuse c'est grave bien. Il avait plus que ses yeux pour pleurer. Un banger. Une espèce de produit de trait. Sûrement ce qu'ils utilisent pour transformer les panneaux de verre en miroir. Ouais, du produit de traitement, ouais. T'inquiète frère, je traite tout. 100% il y a des mecs derrière. Une seconde, je vais ouvrir la porte. Ah non, c'est bon, on est ouvert. Bonjour. Je sais pas qui vous êtes, mais bon sang. Je suis content de voir quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous faites là? J'ouvre la porte. En fait, vous avez juste. En fait, vous avez. Est-ce que vous pouviez pas juste aller dans la rue en fait pour voir d'autres gens? Je cherche une personne. Ah, vu le monstre qu'il y avait en bas, je pense pas. Miroir, vous l'avez vu? Ah ouais. Hein? Enfin, ouais, il y a la vieille Bethany. Elle vient ici assez souvent, nous apporte de quoi manger, des couvertures. Vous la connaissez? Non. Pas encore, mais j'aimerais lui parler. Vous savez où elle se trouve? Et là, elle est derrière toi, elle t'éclate. C'est pas bon. Bethany se trouvait dans le débarras quand les malbêtes sont arrivés. Elle s'est enfermée à l'intérieur. J'ai une clé, mais... Ah, yes. Mais... Mais vous avez une surprise pour moi, c'est ça? Ouais. On a blessé une des bêtes, mais elles sont trop coriaces. Elle est juste devant le débarras. Oh, elle doit être énorme, mec. Faut qu'on entre dans cette pièce. On va finir par crever de faim sans ses provisions. On peut aller en bas? Mais je doute qu'on puisse avoir ce monstre. Je m'en charge. Ok, je vais m'en occuper. Enfin, de toute façon, on va pas faire. Non, je ne fais rien. De toute façon, on n'a pas le choix si on veut sortir Bethany de là. On n'a pas des trucs pour faire les mecs. Attends. On vivait bien ici. Il se cache sous l'eau, dans les mares, les flaques. Oh, c'est un. Prudence. Ouais, il y avait l'air grave stylé là, le miroir. Ouais, je sais. Mais c'est parce que vu qu'il parlait, je voulais pas annuler ce qu'il racontait. Ouais. Les fabricants de miroirs ont-ils tous l'air si louches? J'avoue, on dirait un nazi.
Qui aurait cru qu'il fallait tant de travail pour fabriquer un miroir? Pas la moindre idée. Bon, maintenant je dois aller en bas. On va aller sauver cette une bête. Bethany. Oh, bien sûr. Vas-y, on fait des grenades. Hein. Hop. Voilà, plus de grenades. Une, c'est déjà mieux que rien. Fabrique des pièges, non, aussi? Bonjour. Ouais, mais en fait, on n'aura pas le temps de les poser. C'est une grosse bête. Ah, si, tu descends, hop, tu le poses. Attends, voilà. Non, on y va en secret. Exactement. Eh oh. Alors, à moins que c'est. Ah. Quoi? C'est de l'eau là? Oh, je me trompe. Non. J'avoue, on dirait que moi j'ai. Dans l'eau. Mais c'est pas de la vraie eau. Attends, mais la bête, c'est pas celle qu'on a déjà tuée? Bah, je crois que c'est en fait. Ah non, à moins qu'elle se cache dans les flaques. Genre là, tu vas tenter d'ouvrir et là, la bête, elle va te prendre le yep. Non, mais t'as une clé? J'ai pas la clé. Ah, il t'a même pas donné la clé? Bah non, je crois pas. Eh oh! Ah. C'est quoi ce truc? C'est quoi ça? C'est nouveau ça! C'est une nouveauté! C'est du jamais vu! Ah non, mais elle va pas venir là! Du coup, tu peux plus ouvrir la porte! J'avoue. J'avais pas pensé à ça. Viens! Eh oh la bête! Oh! Oh, il est. Va le voir, il est bloqué dans le piège. Ah, il est invisible. Ah, oh, méchant, mais qui devient invisible. Il est bloqué par le piège. Il s'est pris de piège. Ouais, il s'est pris de piège. Allez, viens. Viens me chercher, viens dans mon piège. Prépare ton pistolet. Alors, bim. Et voilà. Par contre, c'est une nouveauté cela. J'avoue que par contre, mec, à mon avis, il va falloir looter plus de maisons, hein, parce que vu le nombre de trucs qu'on est obligé d'utiliser. Bah, ça va. Deux pièges et une grenade. En fait, les grenades, c'est trop bien. Ouais. Et les pièges aussi, mec, c'est trop bien. Ok. Par contre, en fait, moi, je vais le dire clairement, hein, Bethany, elle me fait plus peur que le monstre. Clairement. La porte refuse de bouger. Elle s'est barrée. Eh oh, Bethany, vous êtes là? Bref. Mais c'est pas marqué. On va voir Michou. Ouais. Michou, on a tué le monstre. Je l'ai tué. C'était un monstre invisible, what the fuck. Ah, au début, j'avais pas vu, c'est pour ça que j'ai tiré un peu dans l'envent. Ouais. Puis après, ouais, j'ai vu. J'ai tué la bête. Ouais. Ça fait un boucan d'enfer. Bah, en même temps, j'ai tué des grenades, etc. Tenez la clé. Prenez tout ce qu'il vous faut, mais pitié, assurez-vous que Bethany va bien. T'inquiète pas. Je m'en manquerai pas. Moi, si tu me tues à chaque fois, c'est genre ta petite lampe sur ton torse. Si tu veux, on l'active. Genre, hey, ouh. Pas une fois qu'elle sert à quelque chose. Pourquoi j'aime pas ça? Pourquoi ça sent le portail démoniaque? La présente autorise les forces de l'ordre à investir et à fouiller le code de l'usine Randall Glassworks 6 à Salvation Harbor afin de donner suite aux plaintes fréquentes d'activités suspectes à la nuit tombée. Qui est le suspect, Mr. Gunther Randall? Journal intime de Randall. Jamais je n'aurais cru que cette ville pourrait m'en boucher un coin. Et pourtant, c'est ce que Francis Torgmonton vient de faire. Le bourre est convaincu d'avoir fait une fleur au gamin en le condamnant dans les voies miroirs. Il ne voulait pas le tuer, comme si ça aurait été pire que ce qu'il a fait. Et moi, je suis juste content de partager mon savoir. Si Francis souhaite un jour ramener son fils, j'espère qu'il parviendra à lui trouver un nouveau corps à habiter. J'en ai ma claque de cette foutue ville. Il est grand temps pour moi d'aller là où il fait meilleur. Ah, genre en gros, ils utilisent un truc pour envoyer les gens dans les miroirs. Ouais, bah là, je t'avoue que. Mais là, le miroir il est cassé, c'est problématique. Attends. Sa maison, celle de Randall. Une seconde, Hammond. Nous y sommes presque. Ah, du coup, là, elle est partie voir Randall pour que Randall remette son fils Hammond dans un corps. Mais il va lui falloir un corps à la meuf. Ma tête, ouais. J'en ai marre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis en train de partir en cacahuète? Ah oui, j'étais encore comme ça en fait. Okay. Ah. Sinon, j'allais dire, t'as juste des problèmes. Prendre Bethany est plus là. Ah bah, surtout, il est pas marqué, toutes les preuves ont été récupérées donc. Ah ouais. Encore? Ah bah, yes. Pourquoi moi? Putain, j'aime pas les trucs comme ça en plus. Allez, je comprends pas, y'a un mini-jeu. Ah. Au revoir. J'adore quand il se met ce filtre.
Allez, qu'est-ce que oh, tu me vas sors pas que c'est faire? un tout petit. Si c'est un Et que tout j'ai petit. jeté ça pour un tout petit. Et c'est peut-être même un de l'ombre, donc un faux. À mon avis, c'était juste. On peut pas le ramasser? Ah si. Ah, c'est cool ça. J'avoue. C'était un de l'ombre, mais j'ai vraiment cru que Ouais. c'était un vrai. Ouais, bah forcément, à mon avis, tes illusions elles vont être de plus en plus fortes. Hein. Une Oh bibliothèque. non, j'aime pas ce mec. Plutôt épais comme bouquin. Il y a de quoi raconter toute une vie. Ouais, je vois. C'est bon? C'est... Tu Les t'es pas voix fait que n'ira. on a été récupéré, s'il vous plaît? Non. Mais qu'est-ce que j'ai manqué? Toutes les preuves clés n'ont pas Quoi? servi. Je vois qu'on faisait des réserves. Et c'est tout. C'est tout ce que tu vois. Bah, tu vois pas des choses plus bizarres, Michel? Tu vois pas d'autres trucs qui pourraient t'aider à. À résoudre des meurtres. À t'aiguiller là, parce que Je les comprends voix pas ce que j'ai miroirs. manqué. À moins qu'il y ait eu le truc, toutes les preuves sont récupérées, mais quand on était en train de courir, Bah oui. non, je l'ai. Non, bah non, puisqu'on n'a pas récupéré le livre, donc c'était impossible. Ouais, c'est vrai. Bah non, je. Bah il y en a sûrement manqué des preuves en haut, encore, j'ai envie de dire. On commence pas mal à devenir une Ouais, c'est habitude vrai. tout ça. Bon bah c'est parti, on va rechercher! On T'as vivait peut-être bien raison. ici. Joli Ah. travail. Malheureusement, tout porte à croire que l'artisan a mis la clé sous la porte. Dommage. Ah, bah voilà, je crois la touille. Ah voilà. Ouais. On va dire que Si tu Bethany n'est reparles pas au mec, alors. on On veut peut plus lui pas. parler. Il se cache Bon. sous l'eau. Et notre enquête se termine là, comme ça? Genre, hey, c'est la fin. Bah attends. Que veux-tu Non, faire? là. Ah, ok. Bon, ok, Là, t'es il supposé un va. truc. La présente terroriste des forces de l'ordre. Ah, du coup, on doit aller voir, je pense, aller à la police voir ce qui s'est passé. Ouais, voir ce qui s'est passé. Ici, jamais je n'ai cru cette ville. Je pense pareil. Là, il va falloir peut-être Ici. aller voir Throgmorton parce que visiblement Ouais, t'as peut-être raison. il y a un truc avec Throgmorton. Ouais, bon, on va y aller. On va commencer par la police, je pense que c'est une bonne première voie. Ah, tu penses? Bah, je pense, hein. Parce que Throgmorton il va encore nier l'évidence. Bah, ouais, t'as raison. Il y a un point de téléportation par ici? Ah, il est forcément dans le coin. Ah, tu sais quoi, on va aller faire ta maison là. On y va, allez. Ouais, moi je la trouve sympa cette maison. En plus, il n'y a même pas l'air d'avoir de monstre. J'ai dit l'air. Hein. S'il y en a, on va vous responsable. T'as pas fouillé la petite pièce? Parce que je la fais après. Encore le cercle jaune. Ouais, ça doit être Alors, le groupe des hommes en jaune là. ça Le doit être groupe du... leur Et pentacle. c'est quoi les mecs. C'est quoi les photos des mecs accrochés? De quelle photo parlais-tu? Là. C'est juste des photos de charme ou il y a. C'est. Ouais, non, c'est Ok. clairement des photos de charme. Je sais même pas ce que j'ai Avec récupéré genre. dedans. Le mec avec, et avait exposé genre tous les mecs en jaune. De l'alcool. Oh, il y a pas mal de loot. Il y a pas de monstre à me faire croire. Bah tu vas voir ça en haut. Pourquoi Dans la moi? suite des événements. Et oh les mecs. Oh il y a une Encore une carte. carte, ouais. Oh j'adore. Mec qui tente de frayer un chemin pour un échappatoire facile. Bon, en tout cas, s'il n'y avait pas de monstre là, je crois qu'ils t'ont bien entendu. Parce Ouvre-moi que. ça! Mais non, tu peux pas le casser. Ah, ok, je pensais. On reviendra plus tard. Encore une Ah, carte, plus de alors, prix. ça concerne qui cette fois? Oh, Il y a mais plein j'ai vu un truc de monde. mortel. Ouais, alors. Ça, c'est. C'est Ça, moi? c'est nous? Ouais, et attends, mais mec, reviens en arrière. Alors, Mais ça, ça, c'est l'homme poisson. c'est tout ce qu'on a vu. Ça, c'est encore Ouais. moi. Et Throgmorton, c'était Throgmorton fils. Lui, c'est ça, c'est le. Ah non, Oh, les c'est photos qui? reboucle. Par contre, il y a un mec qu'on n'a pas vu. Hein. Ce mec-là avec l'œil de verre, je sais pas qui c'est. D'accord, je Ouais, t'ai dit ce mec, ouvre. il y a un mec en couleur. Voilà. Il Oh, nous a mec, pointé. c'est le début de riff. Ouais. Ça doit être Bethany. Là-haut, là, c'est Bethany, je suis sûr. Ouais, je pense. Lui, il est mort. Enfin, mort. Là, Lui c'est aussi. Throgmorton fils qui est mort. C'est qui lui? Je sais pas, Qui et lui? y a quelques mecs qu'on connaît pas. Par contre, ouais, j'ai vraiment l'impression qu'on est venu ici alors que c'est dans la suite de Ouais, l'histoire. bah, je suis sûr certain puisque. Comme je t'ai dit, y a eu des munitions de calibre. On n'a même pas le calibre. Attends, mais on vole tout maintenant. C'est bien. Les mecs qui cassent tout. Ah, je suis sûr certain, c'est pour la suite. Ouais, bah, non. Ouais, Ouais, non. voilà, ouais. La porte refuse de bouger. Je suis sûr que quelqu'un va Là, tu partir veux, par on là. retourne.
Bon, bref. Bon, du coup, on va au poste de police. On reviendra ici, ouais. Faudra bien enlever le point de la carte. Non, bah on le laisse comme ça au cas où ils nous demandent de revenir par ici. Ouais, bon, on va chercher le point de téléportation. Où es-tu, petit point de téléportation? Il est dans le coin. Police. Tu pourras aussi envoyer le point de mission. Il est où le point de TP? Attention, il est maudit. D'accord. Attention. C'est la même, je crois, que t'as fait. Il est maudit. Moi, ce qui me dit, c'est comment il court. Genre. Il est maudit. Les chaussures, ça existe, hein. Mon best frère. Prends du bon best frère. Quoi? Sale étranger. Ah ouais, sale étranger carrément. Il y a de moins en moins de respect. C'est la même maison. Et de plus en plus de maisons à fouiller. C'est exactement la même. On peut vous monter par là tout à l'heure. Je vais même pas monter comme ça tout à l'heure. C'est vrai. Bah non, parce qu'il y avait pas. Que la guerre mondiale. J'avoue. Ah merde, j'ai vraiment l'impression qu'on fait rien dans l'ordre. Genre on fouille toutes les... Mais mec, il se passe... y a vraiment rien. Mais y a rien. Y a quoi sur la carte? Y a un couteau planté. Oh, y a deux trucs là. C'est des caches. Ouais. On regarde tout ça. Nous au montage, on remettra tout ça en carte, ouais, tout ça. Faudra qu'on... Oh, de toute façon, on va penser puisqu'on fait le montage de l'épisode concernant un certain youtubeur. Concernant... parce qu'il y a... YouTube. Il y a un en bas, y est. Je n'ai pas vu l'autre en bas. Non, non, de l'autre côté, pas d'en bas. Ah, il y a un cercueil à fouiller. Cool. J'ai besoin d'un cercueil. Deuxième cercueil. Ah, de la corde, c'est bien. Ça sert à faire des grenades. Ouais. Mais vraiment, c'est quoi les posters au mur? Quel poster? Bah là, il y a des genres de posters. Non, mais tu t'attends vraiment sur des détails, quoi. C'est des missings, des gens qui disparaissent. Eh, je rêve, c'est un mec qui est en train d'embrasser un poisson en mode ouh. Embrasser, je sais pas, mais je... Ah, si, ouais, si, t'as raison. Chacun ses délires. Je m'en fais pas, moi. C'est pour ça que les Innsmouth existent, je pense. Ah, je pense, hein. Là, tu me diras, il y a bien Innsmouth, c'est trop Morton, non? Ça va me faire croire que c'est sans corrélation. Hein. Bah, le Hape. Ah, si Hape est. Ah, si on rajoute un rien devant. Ah, quoi? Ouais. Allô? Cool, le point de TP est là. Lag démonétisé. J'ai pas dit. Quand même, j'ai juste trouvé une corrélation entre deux mots. Voilà. Ah, c'est ouest, même pas sud. Ah ouais, ok, on est bien remonté en fait, c'est pour ça. Police, on a dit, hein. Ouais. Je sais pas pourquoi je crie. Police. Robert Throgmorton sweat. Ah mais non mais. C'est une habitude, tu vois. C'est une habitude. Grave intéressant la mission secondaire entre guillemets. Bon, je pense que ça va servir la mission principale pour le coup. Ouais, parce que moi pour moi là c'est pas du tout secondaire sans faire. Enfin, je veux dire, c'est clairement principal. Donc clairement l'histoire de la voirie, tout ça, enfin des voies, enfin tu m'as compris. Ouais, enfin, de la voie des miroirs. T'as charré ou j'ai pas pris ce checkpoint? Lequel? Celui qui est juste là. Oh non, dis pas qu'il est derrière. C'est pour ça que j'aime pas venir ici. Tu vois, en fait, genre on voit sur la carte, tu vois. Ouais, le truc qu'on peut se TP, tu vois, là il y a un truc bleu. Lui il est pas bleu, c'est à dire qu'on l'a pas eu. Du coup, à chaque fois je mets TP au Devil's Reef. Bon, du coup, personne nous cherche pour l'instant. On croit qu'il y a un mec qui nous cherche. Mais tout ce qu'on a vu est faux. Vu quand même ce qu'on a trouvé là, c'est. Mais non, c'est faux. Mais non, parce que techniquement c'est plus tard dans le jeu, on n'a pas le droit. Ouais. Pas le droit d'avoir ces infos. C'est pas RP. Ensuite, pour moi, si tu veux déjà y rentrer maintenant, ouais, c'est pas fou. Parce que sinon, il met la porte est fermée. Mais je suis une victime. Mais là, la porte était pas fermée et tout. On pouvait bien, ouais, je vois. On pouvait bien rentrer et, c'est la chance. Et admirer ces photos de nous, quoi. C'est le fait de pas perdre mon temps. Non, mais y a un mec, salut. Il y a un flic en prison. Bon, allez, Hein, la folie. Bref. Prochaine. Non. Alors. Oui. Non, y a rien. Tu vois? Ah, voilà. Si. Mandat de perquisition. Crime. Plainte, je pense. Non, attends, on va voir. Ouais, si, c'est plainte. Déjà, oui. On va voir le quartier, tu vois. C'est ouais. Quoi? Quartier. Salvation Harbor. C'est ici. Ouais. C'est document, j'aurais mis, non? Ah, c'est une saisie. Ouais. Sujet. Suspect. Non. Ça passe?
Non, c'est pas ça. Le dernier, je pense pas qu'il soit. Sujet, ouais. Alors, c'est dans Crime. Hein. Non, bon, on va tout mettre. Oh non, mais je suis sûr que c'est dans Crime et c'est. Attends, t'as la propriété Non, plainte. Plainte. Non. Ou alors c'est preuve où on cherche le mauvais truc, quoi. Bah non, autorisé à saisir, à investir et à fouiller les locaux. C'est bien un Salvation Army. C'est bien une saisie. Peut-être on cherche un document plutôt. Non ouais. Peut-être que c'est pas une saisie. Ouais. Voilà. Ouais. C'est ça. Ouais. Alors, Counter Randall, pseudonyme David Miles, le miroitier. Résidence à Fulleville. Yes. Dernier lieu connu, Oakmont, Massachusetts. Croisement de. Oh, putain. A soupçonné de troubles à l'ordre public, conduite dangereuse, faux et usage de faux. J'ai jamais compris faux et usage de faux. Bah, ça veut dire que tu fais des faux. Ça c'est faux. Et usage de faux, ça veut dire que tu les utilises. Mais comment ça, faire des faux? Bah, faire des faux papiers. Ah, ok. Dans ce sens-là. Bon, bah, c'est reparti. On va aller marquer notre petit point. Bon, là, c'est vraiment l'épisode balade. Hein. Je pense qu'il y aura des petites coupures, tout ça. C'était un chevaux cerf, quoi. Ouais, je vois, ouais. Ouais. Et du coup, là, on doit aller chez lui, non? Ah, ouais. S'ils nous ont donné ça. Enfin, là, à la dernière position à laquelle on est. Maison du miroir. Ah ouais, c'est carrément sa maison. Nord, Dolgorov. C'est où Dol? Oh non, c'est loin. Ça va qu'on a des points de TP un peu partout maintenant. Au croisement de Windhalf. Avenue et Goldbridge. Et Goldbridge. Bah c'est tout c'est à droite. Ici. C'est là. Ouais. Hop, allez, on va chez le miroiter. Voilà, ça va, on a un point de TP, ah ouais, ouais, ça va. Donc pas de coupure cette fois-ci. Yes. Allez, c'est parti. Enfin, pas de coupure. Ouais, non, ça va. On a déjà vu pire. Non. Oh, ben. Ça va, en plus, là, c'est des quartiers. Ce qui est chiant, c'est quand on repasse pour la cinquième fois dans un quartier dont on a toujours pas trouvé le bras, tu vois. Ah, mais ça, bon, je suis qu'à vie, hein, de l'autre. Quand c'est des nouveaux quartiers, des nouveaux ticards qu'on connaît pas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça va, tu vois. Genre là, ce qui est à droite. On a pas gagné un point à niveau, là, tout à l'heure? Ah non. J'ai gagné d'XP. Et du coup, c'est quoi à droite? De quoi à droite? Bah regarde à ta droite là, il y a un énorme truc. C'est une sorte de parc. Ouais. On déduit ça, ouais, il y a... Bah ouais, voilà. Bah, à mon avis, on va devoir y aller dans ce parc. Non, non, jamais. Un jour ou l'autre. Dans quoi? Nous dépasser. Parti dans le mauvais sens. Comme la police. Elle t'attend en mode. Bah ouais, non mais c'est bizarre. C'est quoi ce point là-bas là? Je l'ai pas enlevé. Coup dur. Coup dur pour Michael. Quel trou duc. Ça je me disais putain c'est bizarre qu'il est tout petit, ça doit être un bug. J'ai rien dit. C'est pour ça qu'il est vraiment. C'est bizarre qu'il est vraiment loin. Oh, mon avis, il y aura un truc aussi avec le parc d'attraction. C'est possible. J'en suis sûr. De toute façon comme je t'ai dit on débute le jeu là, on a rien fait en fait. Ouais bah ouais c'est clair. C'est pas parce que. En fait c'est parce qu'on fait des missions secondaires de la fin du jeu en fait. Non mais c'est ouais, peut... c'est même pas nos missions secondaires à nous ça, c'est ça qui me tue. Ouais. Genre oui. Secondaire à nous, c'est genre les voix d'Oakmont. Genre ouais, c'est l'autre qui voulait qu'on aille récupérer un vieux livre. Ouais, c'est ça, ou le médecin qui voulait qu'on enquête. Ouais, aussi, ouais. On l'a même pas fait. Nous, qu'on se direct sur les grosses missions et tout. Attends, c'est Trevor Merton qui nous l'a donné. Du coup, je me dis, ouais, peut-être trop bien. Ouais, c'est important, ouais. Puis en vrai, c'est bien, hein. Genre, c'est grave intéressant. De toute façon, là, je pense aujourd'hui, ça va être encore un truc secondaire. Comme ça, la prochaine fois, on commence directement avec de l'histoire, ouais. Je pense bien, ouais. Alors. T'es sûr que c'est par là? Ils ont dit au croisement, c'est ici, non? Ok, ouais. Croisement, c'est le groupe de 4 là, comme ça, non? Ouais, c'est ça, ouais. C'est bon, on est. Bah, même le croisement, c'est vraiment pour moi proche dans le croisement. Bah, j'ai l'air proche du croisement. Bonjour, là, non est-ce que c'est par ici? Y'a pas de hache sur la porte. Hein. Ouais, bon, ouais, y'a des portes avec un hache qui me mettent en confiance. Ouais, je me dis. Bah, voilà. Ça te va cette porte? Ouais, elle me met en confiance. Attends, je vais prendre un peu de vie parce que. Parce que sinon on va mourir. Donc rappelez-vous les enfants, avec de l'alcool et des ressorts, vous laissez mijoter le tout. Oh, ça a l'air clairement d'être ici, je sais pas pourquoi. Bah ça a pas l'air abandonné en fait. Je sais pas pourquoi il y a pas eu le. Bah c'est pas ici, sinon il y aurait le nom en blanc, tu sais, qui serait affiché en mode maison du miroir. J'ai trop de cartouches. C'est plus heureux d'en avoir trop que pas assez. Du coup, autant en dépenser quoi.
Salut. J'avoue, c'est pas le mec qui est là. C'est bizarre de rentrer dans les maisons, ouais. Mais mec, ça me met ultra, ça me fait ultra peur de rentrer dans la maison comme ça. Surtout la maison, elle a pas du tout l'air abandonnée. J'ai bah ouais, mais c'est chelou que même les flics soient pas venus en fait. C'est quoi ces incapables? Après, si le mec s'est TP dans les miroirs, c'est normal. Hein. Ouais. Ah, ça ressemble à la maison de Martin. Mais c'est pas sa maison. Pour moi, c'est pas sa maison. Non, bah, ouais. Marqué maison du miroitier. Ah ouais, c'était marqué? Bah non, mais. Ah ouais, non, t'as raison. Bah, en tout cas, c'est ce qu'on nous a dit. C'est vrai que ça a pas du tout l'air abandonné. Je sais même pas si c'est la bonne maison. Bah, moi, je pense pas parce que, genre, d'habitude, il y a le texte en blanc, genre. Ouais, bah... Maison du miroitier. Mais c'est la maison de qui aussi bien comme ça? Je me chie dessus à chaque fois que tu pousses une porte, putain. Bah, on va aller voir au sous-sol, mais si c'est pas ici. Enfin, je sais pas, au croisement, comme par hasard, il y a une maison. Enfin, ouais, c'est vrai qu'elle a pas du tout l'air abandonnée, quoi. Puis, c'est pas du tout l'air une maison de... d'être une maison de l'histoire, quoi. Zéro monstre ouais, à l'intérieur. Bah... Et tout. Il y a juste un peu de loot, vite fait. Toujours ouais, un billard, donc c'est. Ah, il y a une carte, il y a quoi sur la carte? Bah, rien. C'est une carte du monde. Il va falloir que t'arrêtes de t'indriquer sur. Ah, encore un sous-sol? Ah non, ok. Je sais pourquoi j'ai vu les barrières, je me dis quoi? Ah bah ouais, moi aussi. En fait, instinctivement, ouais, une sorte d'effet de. Ouais, bah ouais. Ah, je vais le mettre. Bon bah, ok. C'est vrai que les développeurs ils se sont trompés, ils ont mis des barrières. A mon avis, c'est juste une erreur. Parce que le mec il est pas censé avoir de barrières. C'est... Bon, c'est pas ici. C'est là quand même que. Dans le croisement. Bah, on est au croisement. De toute façon, c'est forcément une des quatre maisons au coin. Hein. Oula, tu bugs un peu, Maxime. Ouais. Du coup, je voulais dire, c'est forcément une des quatre maisons. Ah, non, mais tu bugs toujours. C'est... Tu parles en mode robot, c'était pas chaud. Ouais, ouais non, ça. Mais. Hop, Maxime va régler ses petits problèmes. Ah, oh, y'a un H ici. Ouais. Allo? Ouais, allo? Ouais, c'est bon. Attends, j'ai reçu. Hop. Excusez-moi. Non, c'est bon. Ok, c'est parti. Ah, oui, ça a l'air d'être ici. Ah bah. Ah ouais. Bah voilà, c'était exactement ce texte là que je voulais. Ça a l'air plutôt gros là ce qui vient de spawn. Eh oh le mec. Bah ils sont où les amis? Alors on est tu face à la. Ouais mais non par contre alors je suis désolé mais c'est un... on comprend pas ce que tu dis en fait. Ouais, mais je vais aussi redémarrer Discord. J'ai le même problème avec toi, ça redémarre aussi. Ouais. Je veux que ce soit un gros qui marche sur ce piège. Ah bah regarde lui. Eh oh monsieur. Bah venez. C'est pas votre radin. Non, il y a un petit devant. Coup de pelle. Coup de pelle. Meurs. Bah. Comment il a fait repasser? Ouvre la porte et fais le reculer dans le piège. Eh hey. Il a pas envie de reculer dans le piège. Il a l'air même plutôt vénère. Et que j'ai expulsé par la porte. Bah récupère ton piège hein, du coup. Je suis dégoûté, j'ai gâché beaucoup trop de mines. Ouais. Ils ont dû passer là comme ça. Ouais c'est ça. Okay. C'était fait pour se battre. On a vu tout ce qu'il vient de nous donner là. Bon par contre contre lui c'est cool d'avoir... Ah mais j'ai toujours pas de poudre à canon en fait. C'est... Il y a un mur là à droite. Il me paraît bizarre non le mur à droite. Je sais pas mais là ouais, ici là, je peux là, utiliser je un truc. Non non ça on fait pas maintenant, on fera à la Elles fin. Ils sont là depuis une éternité. Ah ça c'est les lettres qui n'a pas raté. Quel mur lui bizarre, ouais. Je pas vu un qui tombe quoi. Je trouve juste bizarre, genre il était juste décolorisé par rapport au reste de la pièce. On aurait pu rentrer là genre sans aucun problème quoi. Bon je pense pas puisque les ennemis tous les cas est arrivé quoi donc. Moi j'ai juste du loot. Salut. Voilà. Et de la poudre à canon. Oh il y a de la poudre à canon. Genre j'avoue en vrai c'est exactement. Ah ouais, pas assez de poudre à canon par contre. Encore plus bas. Oh non, non. Je crois que j'y vais comme ça. Oh non, 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 obligé, non, tu vois. Non, c'est bien de. Bon, on a dit là, ça va être full voie des miroirs, alors full troisième œil. Ouais, c'est pour ça que je préfère alors, d'abord tout explorer. On va être en mode full troisième œil. J'ai vu qu'il y avait du loot. Le troisième œil. Puis j'aimerais bien avoir toute preuve récupérée que j'aurais pas besoin de réexplorer. La plus grande exposition de miroirs de toute l'histoire d'Oakmont, y compris les chefs-d'œuvre du maître Randall. D'accord. Son manoir en un musée de miroirs antiques rassemblés au fil de bien des années. C'est un mec qui parle, il recharge en même temps. C'est vraiment un monument, il recharge. Un féru des devoirs.
Derrière, ouais, là. Ah oui. Il y avait un truc là-bas. Cartouche 440. Cool. Ah ça. Je connais ce livre. Tome de l'occulte. Un simple sort de protection peut être appliqué par le biais de ce que l'on appelle la magie sensible pour ériger un bouclier autour d'une entité. Il est nécessairement nécessaire de trouver une autre entité similaire pour cette connexion. C'est pas genre les murs qui font spawn. Ouais, si, à mon avis, c'est les murs qui font spawn. Genre les genres de murs qui font spawn. Cool, la poudre à canon. La poudre à canon. Ah, revolver vraiment utile. Hein. Bah, en vrai, ouais, mais pistolet aussi, tu vois, sur le gros, tu vois. Ouais, je vois. Genre, j'ai une bonne cadence de tir. On va retourner pour observer tout ça là. Yes! Va-t'en, cours, en fait, toute ta vie. Ah, ouais, c'est des faux. Ah, c'est un fake. Je sais pas quoi ils servent, ouais. Je sais pas. Oh, il a fait un roulé-boulé. C'est pas mon problème ça, moi je me cache derrière celui-ci. Non, mais c'est utile de savoir ça parce que là c'est des fakes, du coup on s'en fout un peu. Mais ah, imagine... si, on en a croisé un vrai. Bon, on a trouvé ça un vrai à l'époque. Ouais, mais on l'a même pas vu faire son roulé-boulé. C'est normal, on l'a esquivé. Ouais, mais du coup maintenant on le sait, tu vois. Si jamais il y en a un qui nous tombe dessus. Oh, tiens, un petit hôtel. Où est-ce qu'on peut trouver un cercueil miniature comme ça exactement? Oui. Il me sort pas le sous-sol. Oui. Je sais pas, tu fais des petits gestes avec sa main, genre par là, ouais, c'est par là, ouais. Exactement, voilà. Bon, rentre là, mec, tu devrais peut-être te reposer, non? Ah, bon, tu sais, après, si j'augmente ma barre de santé. La fenêtre, elle brille dans tous les sens, non? Quoi? Oh non. La fenêtre, je... T'as vu le nombre de mains qu'il y a ici aussi? Ah, bah ouais, mais sauf qu'on avait pas envie de venir ici en fait. Je sais pas si tu te rappelles à l'époque. J'ai pas envie d'y aller en fait. Est-ce que tu crois qu'on a le choix? On a toujours le choix. Pas d'enjeu. Pourquoi c'est rouge en plus? Pourquoi il y a une lumière rouge en plus? En plus de ça. Ok, là c'est un petit. Allez! Hop et hop, voilà. La fuite. Ça fait du bien de prendre l'air hein, quand même. Par contre, il y a zéro flic. Hein. Si, il y en a un là. Ah non, si, c'est un flic là. Bah, le bon de vote du. Je serais retourné, il t'aurait mis une balle dans la tête. Genre, pim. Et fort chance. Bon, voilà, on peut y aller. Dans l'endroit où on voulait pas aller. Waouh! Et toi, tu vas quoi ah, oui. Ça, genre... Oh oui, tout au moins, YOLO. Hein. Ok, LM. La vie peut être cruelle. C'est son fils, mais c'est le fils Throgmorton, c'est ici qu'ils ont fait un choix. Un meilleur père aurait été fier. Ah non, à moins que ce soit pas le fils Throgmorton. Je sais, à mon avis, c'est ça. À mon avis, c'est ici qu'ils ont fait la. Qu'ils ont enfermé. La TP. Et... Oh, imagine la meuf, elle est pas au courant. Genre la meuf. Oh. Quoi? What the fuck? T'as été. C'est du poison. Ah non, je suis allé. Il y avait un piège. Ah ouais, tu penses? Puisque j'ai marché sur le pentacle, je pense que c'est ça aussi. Ah ouais. Un peu corvé, ouais, j'en mets comme ça, moi je marche sur les portacles. Non! Lâchez-moi, j'ai pas fini de fouiller de toute façon. Non, ouais, en plus, non, ouais, non, c'est un fake. Je suis sûr que c'est une fake dimension et si tu rentres dedans, il va t'arriver. J'en sais rien. Des malheurs. C'est possible. Parce que le mec, il y avait. Ah non. Non, y a... mais mec, il y avait encore des trucs à faire en haut et tout. Et puis, ouais, on a même en pas bas, non. En haut, il y a plus ouais, rien. Ouais, mais en haut aussi, il y avait un truc à regarder avec son troisième œil. Rappelle-toi. Quoi? Non, mec, en haut, il y avait aussi. Bah, moi je te le dis. Y avait... Attends. Et mec, le cercueil, tu l'as même pas regardé. Non! Ma tête. Ah, mon sang. Je ne peux pas. Je peux pas. Pourquoi il parle? Hop. Salut. Bonjour Jean-Michel. Mais il a pas spawn. Michel, si je l'ai vu le cercueil. La vie peut être cruelle. Voilà. Ah, bah je croyais que c'était la photo. Non, non. Ou c'était la photo qu'il avait dit là. Allez, non mais... Si je pense avoir récupéré toutes les croix, y'a rien en haut, Maxime. Je comprends pas. Mais si, il y avait un truc à regarder avec son troisième œil en haut, je me rappelle. Ah, ok, on va aller voir. Attends, c'était. Enfin, il me semblait bien. Où ça? Genre dans la pièce, vas-y, à gauche là. À droite, mais attends, ouais. Va au fond. Ouais. Bah non, c'était à gauche là. Bah dans cette pièce là, y'avait. Non, 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 reviens, reviens. Non, mais. Ah ouais, ici dans du coup. Dans cette pièce là, y'avait pas un truc à regarder? Non. Et dans la pièce d'après? Non, bah non, je suis... Il me semblait qu'il y avait un truc à regarder dans une pièce. Bah, qu'est-ce que tu... Bah, oui, non mais on l'a fait cette salle, je vois... Non mais je crois que je vois de laquelle tu parles, on l'a fait. C'était ouais, la salle qui était ici, là. Non. Chez moi, ouais, non, là, c'était ouais. Ici, là. Mais ouais. J'ai dû confondre, ouais. Ok, merci Maxime. Bon. Voilà. Tant que le miroir reste intact,
Kate, tu seras en sécurité, mon bébé, jusqu'à ce que je trouve un moyen de te libérer. Donc elle l'a transfusé du grand miroir au petit miroir. C'est possible. Où est la suite? En bas. Ouais, on voit l'ac. Ça va être relou de... Ouais. De tout chercher. Mais ici, ça doit être là. Ouais. Je te ferai sortir de là, Hammond. Il y a forcément un moyen. Et donc, à mon avis, dans le cercueil, il conserve le corps comme ça, genre, pour ramener Hammond, tu vois. C'est possible. Et où est le dernier truc, par contre, je sais pas. Ah si, on l'a vu, là. On l'a pas vu, non. Il est là. Non, celui... Ah ouais. T'inquiète, bon, je t'écoute plus. Donc là, ces rites, ils me feront peut-être gagner du temps. Ah ouais, il tu penses de reconstituer le fil des événements. Moi j'aurais dit que c'était le 2, non? Ça c'est le 1, tu vois, genre là elle acquit des connaissances. Ouais. Ils me feront peut-être gagner du temps. Puis hop, dès qu'elle connaît le rite, tu vois, elle sort son fils et elle le met dans le petit miroir. Je... Ouais. Quoi? Je comprends. Mais pour moi là, elle sortait pas son fils, tu vois. On verra. Sinon, sinon c'est lui le 1. Pour moi c'est peut-être il y a forcément de toute façon, le 3 c'est forcément l'autre, je pense. Ouais. Le 3 c'est forcément pour moi c'est forcément la fin. Voilà. On va redescendre. Tant que le miroir reste où j'ai faux. Intact, tu seras en sécurité. T'inquiète, là il y a plein de monstres qui vont spawn si t'as raison, t'inquiète. Jusqu'à ce que je trouve un moyen de te libérer. Oh bah. Bethany a érigé une sorte de barrière pour gagner du temps. Tandis qu'elle essaie de libérer Hammond. Je pourrais la dissiper en détruisant son miroir de rituel. Mais non, c'est quoi? Tu es Hammond en fait. Arrêtez de me pendre, ce rouleau. Arrêtez, monsieur. De toute façon, je vais finir par me pendre à la fin. Du coup, faut que je casse les miroirs là. Ouais, non, mais mec, pour moi, casse pas le miroir, c'est chaud parce que pour moi, elle a mis Hammond dans le miroir. C'est son problème, donc, pas le mien. Je suis un enfant. Et il était marqué, toutes les preuves ont été récupérées. Bah à mon avis si t'as eu le truc non c'est que toutes les brosses sont récupérées. C'est possible. On m'a cassé le miroir. Non mais c'était le petit miroir. Bah on va casser le gros et le petit. Ouais. Mais non tu vois ça fait rien. Ils s'en foutent. Comme de l'indice. La vie peut être cruelle. Oh merde. Oh y'a un nouveau truc, c'est nouveau ça. Ça c'est Hammond. Mais ça c'est nouveau, on est d'accord, ça y était pas. Ah et ça non plus. Lâchez-moi. Je veux pas mourir. Laissez-moi tranquille. T'as entendu? Non. Moi aussi. Bah, j'ai entendu des voix mais j'ai pas entendu ce que ça disait. Ok bon. J'en sais rien. Ah je croyais. T'es juste un enculé. Ouais je sais. Du coup, on fait quoi maintenant? Ah, t'es juste un liqueur de mer en fait. Mec, tout ce qui est la magie doit mourir dans ce monde. C'est tout. Ouais, c'est pour ça que tu te prends à la fin. Ouais, exactement. J'éradique la magie avec moi. Bon, il y a beaucoup trop de preuves dans cette affaire. Martin, je suppose. Mais je suis sûr et certain que c'est pas fini. Hein. Des espaces froids et inhumains qui déforment et défient du monde qu'elle reflète. Non, il a dit ouais, faut casser le miroir. Il a dit quoi? Mais je suis sûr de pas avoir eu toutes les preuves ont été récupérées, c'est impossible. Manque forcément des trucs. Donc là tu t'as cassé le miroir. Ah voilà, ok. Jamais à vous. Jamais. Ce miroir ne vous appartient pas. Elle sort d'où elle? Vous comprenez? Tu mérites de mourir. Bethany, calmez-vous, je vous en prie. Je ne vous veux aucun mal. Oh, j'ai tué ton fils. T'as quand même cassé le miroir. Vous ne me prendrez pas mon enfant. Pas encore. Je refuse. Calmez-vous, Bethany. Ça ira, on peut juste parler. Je sais que le miroir est important à vos yeux. C'est mon fils. Mon fils, on a compris. Son âme, son être tout entier, coincé dans ce miroir, affamé, affolé, seul dans le froid, depuis des années. C'est... Parkay, c'est si difficile à comprendre. Ah, c'est bon, je crois qu'on a compris, là. Son corps est mort, mais son âme est figée dans ce verre, incapable de continuer ou de revenir d'elle-même. Francis estimait qu'il se montrait miséricordieux. Voilà, c'est ça que je comprends pas en fait. Pourquoi Francis a fait ça en fait? Que voulez-vous faire? Comptez-vous faire dans ce cas? Je peux renvoyer Hammond dans son propre corps. Non. Ne me regardez pas comme ça. C'est peut-être pas naturel, mais nous serons ensemble. Non.
Tout est prêt. Dans sa propre corps. Je suis sûr que ça marchera. Il suffit de briser le miroir pour le libérer. Je refuse. Je ne peux pas rentrer les mains vides. Et moi, je ne peux pas vivre sans mon fils. Bah alors, vous m'accompagnez. Je vous libère et vous m'accompagnez voir Monsieur Trogmorton. Bethany, c'est de la folie. Même si ça fonctionne, ça finira mal. Je vais rapporter le miroir à Robert. Ah bah, c'est fait. Non, jamais. Je vous en empêcherai. Ah non, c'est sûr. Ouah. Non, Bethany, fais pas de la merde. Ah, fais chier. Merci. Salut. Prends tout, hein. Tu peux pas prendre. Preuve clé récupérée. Son corps. Et tu peux rendre les autres trucs. Ouais, son corps. Bah oui, j'ai même pas eu preuve clé récupérée, putain, c'est relou. Je sais pas, je la prends en photo. J'ai tué ta femme. Tu vois, j'ai été là et ça m'a brûlé tout à l'heure. Ouais. Bon, pourquoi là, j'ai pas eu genre... toutes les preuves ont été récupérées. Mais du coup, là, tu peux pas genre réinteragir avec le petit cercueil. Oh, putain, elle m'a fait peur. La vie peut être cruelle. Non, bah non, là, il est mort, c'est fini. Ouais. Enfin, il est mort. Le miroir, quoi. Ouais, par c'est contre, bien. Si le miroir il se casse, il va être libéré comme As. Crois-moi, il se cassera pas. Ah, quoique. Bah non, peut-être que comme c'est possible. Ah, ouais, vu que. Ouais, c'est possible. Par contre, Bethany, comment elle arrive ça, genre. Il y a des malbêtes qui vont arriver. Ah, ouais. Bon, je pense. Bah, ouais, à chaque cadavre, il y a des malbêtes. Par contre, où est la dernière preuve? Ça commence pas mal à m'énerver, ça, par contre. Qu'est-ce qu'on a pas récupéré? Ah, ça. Ce journal. Voilà. Divorce de Francis Throgmorton. Ah, c'est pour ça qu'il l'enfermait. L'érudit et aventurier préféré de Dokmunt et de nouveau célibataire. Ah, voilà. Le tribunal s'est prononcé ce mardi sur le divorce. La presse n'était pas autorisée ce jour-là, mais les résultats ont été publiés une fois le verdict entendu. La santé mentale vacillante de Bethany Throgmorton a notamment été citée comme raison suffisante pour mettre fin au mariage. Notre période de deuil est passée, a déclaré Francis à la sortie du tribunal. La mort de notre fils Hammond était une... Oh, l'enfoiré. Ah bah ouais, mais je comprends pas en fait pourquoi il enfermait Hammond. Bah, je peux faire souffrir sa femme peut-être. Non mais... Ouais, c'est ça que je ne comprends pas. Ensuite, peut-être qu'il était juste dans un délire à rien, tu sais, genre en mode... La meilleure lignée, la seule et unique lignée des Throgmorton fusionnée avec le sang du singe. C'est possible. En tout cas, on a fait notre boulot. Certes, on a abattu la vieille, mais techniquement, c'est de la légitime défense. Ouais. Elle a voulu nous tuer. Bon. J'aurais bien voulu voir ce qui se passe quand... On lui fait une safe state. Ouais. C'est ça. Quand on laisse Amon partir, genre bah, oh. Je sais pas, c'est pas en de toute façon, je crois que ça marche. En vrai, comme on sait très bien que les jeux non plus, c'est pas possible, genre qu'ils aient des arbres, genre. Bah, les nouveaux jeux, si, mais celui-ci, non. Mais genre, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que genre, il serait revenu dans son corps, mais genre, son corps est tout pourri et tout. Ouais, et non, il serait mais c'est genre mort instantanément, et genre, la vie, elle serait venue juste mis en colère en mode c'est de votre faute si ça n'a pas marché. Je sais pas, Maxime. En tout cas, la magie c'est mort, ça commence à me saouler. Salut, j'ai ton Allez, fils. Allez, Robert, on te met. Enfin, j'ai ton frère plutôt. Tu joues à quoi là ? Morton, j'ai mis la main sur un livre étrange, sur les miroirs. Il était question d'âmes emprisonnées. Jouons carte sur table, que cherchez-vous à accomplir ? J'imagine qu'il est inutile de tourner autour du pot. J'ai appris l'existence de mon frère, Hammond. Mon père m'a privé de sa présence. Il est enfermé dans le miroir par une espèce de sortilège. L'œuvre de mon père. J'ignore pourquoi. Mais c'est un Throgmorton. Un Throgmorton. Je dois le sauver. C'est ton meilleur jeu. J'ai réussi à récupérer. J'ai tué ta mère. C'est pas une partie de plaisir. Excellent. Donnez-le-moi, je vous prie. Vous venez de rendre un grand service à ma famille et à sa noble ascendance, Monsieur Reed. Tenez votre récompense. Vous l'avez mérité. Monteur plein. Maintenant que vous avez le miroir, que comptez-vous faire? J'ai l'intention de trouver à Hammond un corps digne d'un Throgmorton de souche. Ah, ça va être un singe, il va mettre. Un Pongo Abelli devrait faire l'affaire. Un Pongo Abelli, alors, trousse de premier antipsychotique, un point de connaissance. Meilleur de trucs. C'est pas mal des antipsychotiques. Bah, j'en ai plein, hein. C'est mon troisième. Ouais, bah. J'utilise pas parce que on est plein quand même, ouais. On a beaucoup. Bon. Et là, okay. Si tu peux lui reparler à Throgmorton, bah, je pense pas, je pense qu'on a vraiment terminé. Je ne suis pas d'humeur à bavarder, monsieur. Ok, ok, c'est bien. Bah, quand même, on t'a rendu un gros service. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'on a eu? Parle mieux, Robert. On a toujours pas de poudre à canne. Genre, c'est vraiment la dèche, on a tout sauf ça. On peut faire une grenade? Toujours pas, il manque de la cordite. Bon, aptitude, j'en ai eu un. Qu'est-ce qu'on va mettre? Tu prends quoi?
Permet de poser les pliages deux fois plus vite. Après, c'est pas vraiment un problème. On continue dans vitalité comme on était, ouais. Tu sais, la plus 15 et là. Ouais, on va faire ça. Hop, plus 20. Bon, voilà, comme ça, on a terminé notre arbre. Poids lourd augmente légèrement les dégâts de mêlée, c'est bien ça. Mais après, ouais, c'est vrai qu'en termes de balles, c'est cool. Ouais. C'est... Mais on va voir, on verra ah, peut-être ici quoi, là, pour crafter et tout. Dans le cœur, vas-y, à, dans l'arbre à gauche et la branche en haut. Ça ? Ouais, ça c'est. Permet de porter une trousse de premier soin, ça c'est pas. Ouais, non, mais je croyais genre ça faisait une fusion entre les premiers soins et antipsychotiques. Genre, ah, à chaque fois que vous prenez des anti. Des premiers soins, genre ça vous donne de l'antipsychotique. Ouais, genre, regarde la vie qui manque du coup. Ouais. Mais ça va être pas mal utile. Ouais, bah c'est sûr, certain. Moi je suis full life. Du coup, là c'est quoi les affaires ? Connaissance. Divorce, ouais, on s'en fiche. Ok, ça c'est fait. Donnant, alors. Ça c'est l'affaire principale. Bah non, on a fini, regarde. Ouais, mais on a d'autres affaires secondaires. Ouais, c'est vrai. Un plan submersible, recherche sur le terrain ou l'aide. Non, les lettres ne comptent pas maintenant. Non. Recherche sur le terrain, c'est le truc que le médecin nous a demandé de faire. Et un plan submersible, c'est le mec qui, tu sais, qui répare des bateaux et qui les fait couler, je crois. C'est possible. Oui, non, c'est pas le. Non, c'est le mec qui nous a demandé de récupérer un truc, quoi. Ouais. Un homme appelé Vincent veut m'embaucher pour retrouver un journal de bord. Il m'attend près de l'entrée du port de l'air route. D'être une petite. Le vaisseau perdu, nommé The Pride, transportait une cargaison de tonneaux métalliques contenant des produits chimiques. Ce capitaine était un grand patriote. Plus important encore, des rumeurs affirment que le bateau a été aperçu au sud des Shells. Moreland Road, près du croisement avec Old Colony Street. Près du croisement. Attends, on va regarder si c'est loin, on y va. Enfin, si c'est pas loin, on y va. Sinon, c'est mort. Ça a enlevé le point ici, ouais, ça l'a enlevé puisqu'on a terminé l'enquête. Bah ça on a fouillé, ouais on va le laisser on avait dit. Non, toujours pas. Alors, oh il y a plein de trucs qui ont disparu. Ah bah ouais. Trouver le Pride. Au sud d'échelle, bah il faut déjà trouver l'échelle. Et je crois que c'est un truc... C'est ici là. Ouais, c'est là. Au sud... Ouais mais regarde il y a un point de TP juste ici donc ça ouais, va. C'est ça. Ça peut... Près du croisement. Alors, Moreland Road. Ouais, je la vois. Et Old et Colony Street, non? Old Colony Street, c'est ici. Ouais, il est là, en fait, il est encore dans l'eau. Ah bah, ouais, en plus, c'est pas très loin, quoi. Bah oui, il y a un point de TP au ouais, Reef. C'est juste pas très loin du Ville Reef, ouais. Ouais, bah vas-y, on va faire ça. En plus, bon, je pense pas que ce soit que ça va être une énorme quête. À mon avis, ce sera plus une quête avec beaucoup d'ennemis. C'est le seul. Encore. Ouais, c'est ça. C'est limite vois, possible qu'on s'en presse. Ouais. Va être une... Il est là et ça va tirer de tous les arbres. Surtout que c'est une quête de but du jeu. Alors que là on a ouais, vraiment c'est... du stuff de mec assez gothi quoi. On va arriver, on va poser des pièges, lancer des grenades, tout le monde va être en sueur. On a pas de grenade mais ouais. Bah la grenade ça a l'air grave fort par contre hein. Ouais non mais c'est ultra puissant hein. C'est plus fort que piège, enfin, franchement c'est ouf. Bon, il doit être ici hein, le Pride. Bah le piège l'avantage c'est que ça bloque ça, un peu. Ouais ça bloque et du coup tu peux jeter une grenade. Alors du coup c'est ici hein, ah, c'est un peu plus loin. Ouais. C'est ici quoi, globalement. Ouais, bah à mon avis, de toute façon, genre une épave de bateau, genre, bon, je pense pas qu'on va le rater, tu vois. C'est... Parce que ce sera assez parlant. C'est possible. Ah, y'a du loot. Je sais pas comment on va le Ah, oui, bah oui, c'est ça. On y était tout à l'heure. Ouais. C'est lui, The ah Pride. Ah, oui, je me rappelle de ce truc là. Ah ouais, on voulait y aller, on a fait oh, on verra. Ouais, c'est ça. Alors, comme quoi, on a eu un bon réflexe de pas y aller. Ouais. Alors, voyons voir. Dégage Salut. De mon bateau, sale étranger. Je me demande ce qui est arrivé aux produits chimiques. Bah, ça, le journal, journal de bord Pride. C'est l'eau monte. Ça. Nous devons atteindre la haute mer. Où nous n'aurons aucune chance de survivre à cette tempête. Les machines donnent déjà tout ce qu'elles peuvent, mais les vagues nous repoussent vers la ville. Un des nouveaux matelots, Goran, a voulu couper les cordes et passer la cargaison par-dessus bord. Un tonneau l'a emporté dans l'eau. Les moteurs sont arrêtés et nous prenons l'eau. La côte est proche. Mon équipage a pris la dernière embarcation de secours. Mais je ne quitterai pas mon poste. Puisqu'il nous sauvait. Ah, c'est bon, maintenant on peut lui rapporter. C'est tout ce qu'il fallait ? Bah, il voulait juste le. Ah ouais, bon bah. Il voulait juste le. Ouais, bah, toutes les preuves ont été récupérées. On va lui rapporter. Y'a pas de loot de l'autre côté ? Non, je pense pas. Hein. Un petit truc là. Ah, on pouvait. Je veux dire, on pouvait arriver par là, mais. Attends. Je pense pas qu'il faut qu'on puisse y aller, si. Putain. Un échec. Et... Oh. Ah, j'y suis. Allez, fais pas l'enfant, mais.
Voilà. Ok. Ah, je pense. Ah ouais, je pense pas qu'on est censé arriver par là en fait. Ça a l'air pas mal bugué, on va pas se mentir. On va se mentir que le bug est plutôt présent. Y'a pas de loot? Ah non. C'est nul. Je fais tout ça pour ça. Bon, surprise. Bon, surprise. Ah ouais, carrément le drapeau qui bloque. Waouh. Du coup, il était où le mec? Il était, tu sais, genre juste à la sortie du port. Bah, tu vois là où il y a le point de TP? Il était pas plutôt ici là? Bah. Genre parce qu'on allait. On allait où? Bah, regarde. Mec, attends, ah oui, non, mais c'est bon. Normalement, il y a affiché ici. C'est ça. Ouais. Proposition d'emploi par un homme. Oui, c'est une proposition d'emploi, mais t'es. Ouais, où mais regarde. Ouais, sinon, oui, tu me cherches. Ouais, bah, parce que ça, moi, c'était ici, ouais. Hein, c'était quelque part ouais. Ici. Hein. Bah, c'est ce que j'avais dit, moi. Ouais, on va aller. Mais sinon, on regarde dans ton dans la mission, tu vois. Ah, on va regarder, bah, on va prendre le point de TP qui est là pour le débloquer. Et hop. J'ai l'impression que je débloque aucun point de TP. Mais au moins, c'est fait, tu vois. Voilà. Les mecs qui se bloquent entre l'échelle voilà, est. L'échelle. Pas l'échelle de secours. C'est drôle, ça, dis donc. Je sais, merci. Il m'attend près de l'entrée du port d'Ogmund. Ouais, voilà. Ouais, c'est exactement. Port d'entrée d'Ogmund, c'est ici quoi. Juste là. Ouais, oh, je crois le point de sauvegarde était pas genre juste à côté. Ouais, si, bah si, justement, c'est pour ça que je te dis. Robert Throgmorton. Pour la blague là. Le fameux Robert Throgmorton. Le Robert Throgmorton. Attends, je vais juste faire ça. Hop. Voilà. Ah, mais j'y pense en fait, la mec qu'on voyait sur les photos, ouais. C'est peut-être pas forcément la vieille, c'est peut-être le professeur Dao. Ouais, moi je pense que c'est la doctoresse. Hein. Bonjour. Salut. J'apporte de bonnes nouvelles. Voilà le journal de bord du Pride, intact. Voyons voir. Oui, oui. La dernière page est exactement ce qu'il me fallait. Bon travail, Reed. La paix ouais. A intérêt à être bonne, elle aussi. Bien sûr, tenez. J'ai également deux autres tâches pour un homme aussi capable que vous. Bah, d'autres navires à trouver. Avec plaisir. Vos dollars auront toujours leur place dans ma poche. Enfin, vos balles. Les prochains ne seront pas aussi simples. Mais vous avez prouvé que vous étiez digne de confiance. Préparez vos munitions. Oh oui. Risque de chauffer. J'ai acheté deux autres navires. Le Red Queen et le Skylark. Les deux posent problème. Pourquoi il y a des malbêtes? Je sais pas. Joli nom, le Red Queen. Qu'est-il arrivé à Sa Majesté? Ce sera sûrement pas joli à voir. Il s'est échoué près de l'asile et quelque chose s'y est produit. Je frissonne rien que d'y penser. Ok. Ah ouais. Il a disparu dans un million, quoi. Et où l'autre vaisseau a-t-il échoué? Je n'ai que des suppositions. Vous voyez, sa cargaison n'était pas commune. Enfin, elle était prohibée. Si vous voyez ouais, c'était de l'alcool, quoi. Vous pensez que les contrebandiers l'ont récupéré? J'ai vu un clochard brûler une caisse avec le nom du bateau. Pour une balle, il m'a dit l'avoir trouvé près du vieux port de Wharf Street. Wharf Street, donc. Qu'est-ce qu'il a dit, le mec? J'ai pas écouté, du coup. Il a dit qu'il l'a trouvé près du port de Wharf Street. Ah voilà, il l'a trouvé. Pourquoi il se plaint? Veuillez aller, Vince. Les journaux de bord seront bientôt à vous. Je vous attendrai ici. Les étrangers doivent se serrer les coudes dans le coin. Ah, t'es un étranger? Ah, c'est un étranger, Vince? Il a pas du tout l'air d'être un étranger. Ah, bah si, d'en porter davantage. J'ai trop de munitions, de carabines et tout, mais on n'est pas censé faire ça, mec. On n'est pas censé faire ces missions, ça me tue, genre. Bah si, rien. Donnez-nous juste une carabine, quoi. Au bout d'un moment. Alors, à l'est, c'est lequel à l'asile? C'est le Red Queen. Ouais. Alors, Seaside Street et Providence Avenue. C'est ici en fait. En plus, on a un point de sauvegarde à l'asile, ouais. Ouais, bah ouais, c'est pour ça, on va y aller maintenant. Hein. Easy. Bah ouais. Genre... Yolo. Easy, tes missions, Vince. Eh hey Vince, plus dur la prochaine fois, lol. Eh hey Vince, Ok. J'ai encore fait la blague, mais je dis peut-être que c'était un peu trop là. Peut-être que c'était un peu lourd au final. Est-ce que ce serait pas la blague de trop? Faut pas tomber dans l'abus. Est-ce que c'est pas un peu la blague de l'épisode? Juste l'épisode ça fait comme ça. Robert Throgmorton. 38 points. C'est ça. Robert Throgmorton. Parce que l'appeler la vérité sur les tableaux ou les miroirs, tu vois, c'est trop commun. C'est ça. L'appeler je rentre dans un miroir, ça tourne mal. C'est un peu trop banal.
Mais du coup, moi, il y a quand même quelque chose qui m'intrigue. Mm-hmm. C'est la maison du mec du miroirier. Ouais. Parce que le miroirier avait fait sa maison dans un énorme miroir. Et genre, elle y rentrait et visiblement, le miroir était cassé. Donc, est-ce qu'elle a enfermé le miroirier, genre, dans sa maison? Genre, moi, j'aurais bien voulu y aller et tout, hein, dans le monde des miroirs. Ça a l'air d'être un bon bail. Ouais, bien sûr. La meuf, elle vient avec son fils en train de mourir de faim et tout, et toi, tu veux y aller. Mec, tu prends la nourriture juste avec toi. À ton avis, pourquoi il y avait des provisions dans la cave? Ouais. Prends la nourriture, tu sors du miroir. Non, par contre, là, il est enfermé dans le miroir maintenant. C'est parce que son fils, il était sûrement dans un miroir de bas étage, tu vois. Tandis que lui, il avait carrément, mec, une maison dans son miroir. Hmm. Je comprends pas le bateau. Où est-ce qu'il est? Bah, c'est peut-être ce truc là, non? Ah, le Red Queen, il a rien en route. Re! En fait, il était là, lol. Ah, ils sont tous suspendus, mec. Il y a plein de mecs suspendus. Ah, je dirais même plus que suspendus. Je pense qu'ils se sont suicidés en fait. Ou on les a pendus au choix. Ah, comment on fait pour passer? Bah, il faut pas rentrer dans la maison là. Ah, non. Allez, mais bon, t'as raison. Dans la maison ici, là. Non. Voilà. On a trouvé le Red Queen, mais comment on y va? C'est un autre débat. Man, mais c'est pas par là. Parce que là, le mur il est fermé pour tout, non? Non, on va passer par là. Tu vas passer par-dessus le muret comme as? Ouais. Toujours. Hop. Ah, non, ben voilà. Il va sûrement y avoir un vrai moyen, mais bon. On a trouvé le Red Queen. Voilà. Le Red Queen. On a rare parce qu'on a voulu recharger plusieurs fois au cas, où c'est dit peut-être ça va pas charger, mais en fait. Non. Ouais, voilà. C'est ça. Bah, yes, en fait. Ah bah je viens de voir le petit chemin. Ah, oh, y a un ça bouclier de protection. C'est quoi? C'est le bouclier dont tu parlais tout à l'heure. Non mais arrête, tu vas tomber. Tu gâches tes balles contre. Non, ils disparaissent dans l'eau. Hein. Non? Ah bah ils sont juste tous cachés dans le sol. C'est-à-dire que à mon avis si tu te rapproches, ils vont se ressortir là. Hey. Voilà. Non, mais je sais pas, ils sont énormes, mec. Je suis censé faire comment moi? Bah surtout le gros est vraiment énorme. Lui c'est un sac à PV. Dépêche, dépêche, cours. J'ai une idée. Genre tu cours à travers tout. Je pose un piège. Tu vas vraiment poser un piège? Tu penses attraper qui avec ce piège? Le gros qui est juste derrière nous. Ouais. Yep. Voilà. Hey. Ah bah qu'ils ont respawn. Non pas toi. Tu es mort? Ouais, il s'est fait attraper. Oh. Ah non! Ah, c'est une version évoluée! C'est pas ceux qu'on croise. Yes. J'ai l'impression qu'il se reset à chaque fois. Ouais. Il se reset, c'est pas possible. Mais meurs, toi! Non, lui. Mais il nous fait des ultrasons, quoi! Ouais, non, mais c'est difficile de voir des boucliers et trois comme ça. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Comment on fait pour y aller en fait? Bah juste traverse les tous, tu vois. Lui, viens là toi. On va rentrer dans un autre, il s'est rien de trop, ouais. Heureusement qu'on a une super barre de vie. Hein. Bah oui, mec, genre cours à travers tout. Hein. En mode ah, YOLO. Salut. Wouah. Ah bah vu ce qu'on nous donne. Non mais on nous donne des cartouches de 45 ACP. Mais ouais, c'est ça. Mais mec, mais tu sais quoi, ouais, c'est la fin de l'épisode, ok? Non mais là c'est... Non mais... T'as vu ce qu'on vient de nous donner là? Ah ouais, j'ai vu. C'est hein. Pas fait pour maintenant, on a compris, c'est bon, on fera les missions secondaires à la fin du jeu. Quand on aura un Tommy Gun, une trailleuse, une batteuse et un lance-roquette. Ah mais là... Ouais, j'espère que l'épisode vous a plu. Ah, on a perdu du temps pour ça. Et on vous dit à la prochaine. À la prochaine.